Bonjour les amis, c'est Benji Kenzo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 9e épisode de Marvel Spider-Man 2 sur PlayStation 5. Avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser ton petit pouce bleu de soutien, ça fait énormément plaisir et ça m'aide à soutenir la chaîne. N'oublie pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour être prévenu des prochaines vidéos. Allez c'est parti les amis, on va continuer notre aventure, let's go! Alors, on en était à où? Merde, je sais même plus où on en était. Niveau 11. Je crois que c'est là. Hop. Ouais, c'est ici. Hop. On se met bien. Et voilà. On continue notre aventure, les amis. Ces Spider-Man sont devenus encore plus puissants qu'on toujours aussi fun. Des portails magiques, des rames de métro qui se on se balance. Des camions de pompiers volants et le nouveau Spider-Man qui semble être à l'origine de tout ça. Comme si les toiles et les dégâts matériels n'étaient pas suffisants, ils font maintenant appel à des armes mystiques. Leur désir de destruction. On va attendre que la mission se débloque, les amis. J'aurais presque de la peine pour cette âme perdue. Destiné à une vie de criminalité et de décadence. À ce sujet, Spider-Man est visiblement de mèche avec la célèbre voleuse Black Cat. Leurs costumes sont taillés dans l'étoffe de la corruption. Et si leur association ne suffit pas à vous tu la femme, Jonah, les intentions de l'homme araignée, demandez-vous pourquoi ces chasseurs sont apparus juste après les Spider-Man. Vous comprenez maintenant? Les Spider-Man sont de véritables aimants à criminels. Black Cat semble avoir disparu. Bon débarras. Mais si la magie existe bel et bien, on n'a plus qu'à prier pour que quelqu'un fasse disparaître de notre ville. Il raconte un paragraphe ou quoi, lui, là? En espérant ne plus jamais avoir à prononcer leur nom. Mais on se balance en attendant. Et on veut continuer notre aventure. Alors, est-ce qu'il y a une mission? Parce que... Mission... Non, on n'a pas. Faut attendre qu'on ait un appel. Qu'on en profite pour... Ah, voilà. Coucou les araignées, j'ai quelque chose pour vous. Rendez-vous à cette adresse. Félicia? Ouais, Félicia. J'ai entendu parler de la fonderie Steel à Williamsburg sur une fréquence radio des chasseurs que j'ai piratée. Tombstone doit se trouver là-bas. Il aurait besoin de votre aide. Merci. Content que t'ailles bien. Est-ce que t'es bien arrivé à Paris? Ouais, nickel. Je me suis dit que je vous devais bien ça. À tous les deux. Même si, apparemment, l'autre Spider-Man n'a pas daigné faire le déplacement. Ouais. Justement. T'as pas à justifier, on est passé à autre chose. Au fait, sympa, ton pote. Ouais, carrément. Merci beaucoup pour l'info. Je crois pas que je serais capable de trouver Tombstone à temps sans ton aide. Ouais, merci. Prends bien soin de toi. Je crois que ces fêlés de la Fashion Week ne viendront plus me chercher des ennuis. A plus, les araignées. Miles, je vais m'en occuper. Tu risques d'être en retard pour rendre ton essai. Allez, on y go. Si je trouve Martin Lee, je m'occuperai de lui. Spider-Man peut attendre. Mais pas Miles. Ok. Mais on reste en contact. J'espère. Allez, on va la direction où il faut aller. Il faut que je trouve Tombstone avant que Kraven le raye aussi de sa liste. Tombstone. Ça ressemble au cristaux de mémoire de Marco dont Miles parlait. Je devrais aller voir. J'ai pas une trépanne. Allez, on va par là. On va faire un petit peu de surf. Let's go. Regarde, je suis dans l'eau. Je vais tomber. Allez, accroche-toi par cœur. Voilà. Hop là, on y est presque. Tac, tac. Hop.
On avance progressivement dans le mode histoire, les amis. Pour une fonderie abandonnée, il y a beaucoup d'animation. Ça met du temps, non? Mesure de précaution. Tombstone est du genre récalcitrant. Ouais, on se tient prêt. Chasser pour vivre. Vivre pour chasser. Ok, on va essayer d'y aller discrètement, les amis. Trouver un moyen d'entrer. C'est infesté de chasseurs. Ouais, si on va y aller tranquille. C'est bon, j'ai fini avec mon père. Par contre, on sait toujours pas où est le docteur Connors. Ça faisait longtemps que mon père avait pas autant stressé. On va trouver Connors. Et si t'appelais MJ pour lui demander de passer chez lui? Ouais, bonne idée. Je te rejoins à la fondation dès que j'ai fini ici. Quoi, là? Oh putain, merde. Oh, bah, j'ai pas été discret, bon, c'est pas grave. Ça ressemble à une mission pour les Spider. Lui, il est monté, lui. Il n'est pas question qu'on se fasse appeler comme ça. Ok, et alors, tu proposes quoi? Je sais pas. Les ah, ça va, on n'a pas été alerté par les autres. Ah si. Je dois te laisser. Merde. Ça grouille de chasseurs dans les parages. Donc, tu as besoin d'aide? Non, tu viens pas ici. Ah, il m'a attaché. Je veux pas qu'il fasse du mal. A plus. Araignée, empêchez-le de s'approcher. Attends, viens là, toi. Et ça, c'est loupé. Hop. Attends, j'arrive. Je me déplace. Tac, tac, tac. Wow. T'es sérieux toi? Tiens. Loupé. À qui le tour? C'est toi là-haut là. Attends, j'arrive. Ah, il m'a attaché. On me fait chier, moi. Là, on va voir ton pote. Oh, il s'est bouffé la barrière, là, magnifique. Et voilà, il n'y a plus personne. Cette cheminée est ma porte d'entrée. Allez, on va monter. Je viens d'avoir MJ. Elle a dit qu'elle serait bientôt chez Connors. Super nouvelle. Ouais, je voulais vérifier. T'as bien dit la fonderie style? Ouais. Tu fais quoi là? Mon cardio. Ok, je te laisse faire ta gym. Je dois vite trouver Tombstone avant qu'il finisse comme scorpion. Le contact avec l'extérieur est fait. On va peut-être se... Oh. Ah merde, j'ai pas été discret. Bon, c'est pas grave. Toi, t'es morte. Toi, t'es morte, t'es KO. Et c'est loupé, mon pote. Ok. À qui le tour? Il y en a un qui doit sortir normalement. Ah bah, il est arrivé juste là, lui. Et voilà, magnifique. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Facilitez jamais la vie. Wow, ça arrive aux bandes, ça.
famille, Spider-Man. Et de rien, au fait. J'avais l'intention de rester discret. Quoi, c'est ma faute? Tu prends la gauche et moi la droite. D'accord, allez, ça marche. Tu vas me porter. Je sais que tu m'as dit que ça allait, mais... Sérieux, regarde-nous. Franchement, hop. J'aurais préféré que tu te fasses la main sur un truc moins compliqué. C'est mieux que de t'entraîner en condition réelle. Avec tes larmes. Je me suis jamais sorti aussi fort. Ouais, t'emballes pas trop quand même. On n'est pas invincible. Ouais, attends, attends, je m'occupais de toi. Ces ennemis sont chiants. Voilà, je m'en doutais, je me suis fait éclater. Merci Harry Osborne. Alors commence. Et ce qui est bien, c'est quand on est beaucoup amoché, il y a le costume aussi qui est vraiment amoché, c'est vachement bien fait quand même. C'est... Tout le temps comme ça, toi. Ça se résume pas à tabasser les méchants. J'ai dû faire des choix difficiles aussi. Voilà. Et bim. Attention, il y en a un là-haut. Il n'y en a plus. Et on va monter. Si, Harry, il est en train encore de se battre. Il est où, Harry Osborne? Ouais. Il me branle, lui. C'est où qu'il faut aller? Il doit y avoir encore un mec en bas. Ah, il doit être là. Ah, il est là. Il y en a un autre pas loin. Juste là. Voilà. C'est un lance-flamme, ça? Ouais, malheureusement. Attends, on va y aller tranquille. On va devoir trouver un autre moyen de l'arrêter. Et moi j'ai trouvé moyen. Fais gaffe, il y en a aussi. Harry, je crois que j'ai une idée pour stopper tout ça. Je suis tout oui. Là-haut, la queue. Les scènes sont spectaculaires. Pop, pop, pop. Allez, on a un super vilain à sauver. Super vilain repenti. C'est quand même quelqu'un qui a voulu te tuer plusieurs fois. Il essaie de changer. Et moi, je veux l'aider. Je vais m'occuper d'eux. Et il y en a là encore. Enthousiasme, mais je préfère la ruse à la force brute. Qu'est-ce qui te dérange? On gère. Ouais, jusqu'à ce que ça foire. Ah, il y a encore les chiens. Ils sont chiants, les chiens. Hop. La chaleur. Ouais, t'as raison. Je suis même pas en train de forcer. Allez, ça va exploser. Comme ça. Viens, mon gros. J'ai un honneur pour toi.
Une nounours pour toi. Ça commence à sentir mauvais. Tu vas voir. Tac. Et bim. Je commence à choper le truc, je crois. Tu devrais donner des cours. Ouais, je vais peut-être récupérer mon pote. Ça va faire mal. Waouh. Ça fait mal. Se soigner. Et on y retourne. Oh, il a un bazooka lui. Waouh. C'est coincé. On est dans la merde les amis. Rien de cassé. C'est vrai qu'il aime pas les bruits sonores le costume. Il a compris Peter. Ah merde, encore lui. Peut-être que si on bouge pas, il nous verra pas. Ah bah si, t'as vu en fait. J'aurais mieux fait de me taire. Ils sont là. Ah, il y a encore des ennemis. Il a fait quoi ton costume là? Je sais pas. Le bruit de l'alarme m'a cassé la tête. Heureusement que t'as rien. Des machettes, des roquettes et maintenant des robots volants. N'oublie pas les robots chiens. Qu'est-ce qu'il va essayer de nous tuer encore? Allez, 4 d'affilée. T'es tombé. Oh, l'enchaînement à deux. C'est mal, hein. Continue. On en parle. Elle est partie en symbiote là. Je sais pas si je suis vraiment à ma place. T'es sûr qu'on peut y arriver? Bien sûr. On est les Spider potes. Grave. Ah!
Waouh. On l'a trouvé. Tu proposes quoi? On devrait aller. On les enchaîne tous. Là, il va y avoir du monde. Je vais faire diversion. Toi, essaie de le libérer. Ça marche. Ils grandissent si vite. Je vais vous sortir de là. Okay. Tombstone. Non, c'est impossible. Ils ont piégé ce machin. Je m'en occupe. Oh non. Je te l'avais dit, mais tu t'en fous. Désolé, c'est mon premier jour. J'ai besoin d'aide par ici! Je reviens. Ah, là, encore des ennemis. Ils sont de plus en plus gros! Je peux pas l'aider pour l'instant. Tu trouves que c'est le moment de faire des blagues? Ça fait partie du taf! Quelle ironie! L'araignée, voilà! Allez, bim! Hé! Hey, à charge de revanche! On a déjà commencé à sortir. Mais d'où est-ce qu'ils sortent tous? Ils ont une espèce d'agence de casting? C'est. Il faut qu'on éteigne ce fourneau! Par là! Si on arrive à surcharger la machine avec un liquide, elle devrait s'éteindre! Alors attends, la machine elle est. Non, elle est pas là, je sais où elle est. Elle est là la machine. On peut pas, faut niquer tous les mecs d'abord. Oh, il m'a mis une tarte. Il m'a rattrapé au vol. Ça coûte, t'as moins fait ton malin. Pour arrêter le fourneau. Ouais, ça devrait. Vous cherchez à tuer tout le monde ou quoi? C'était pas prévu. Désolé. Il s'arrête jamais. Ça tombe bien, nous non plus. Ah, il y a encore des ennemis. Il commence à me faire chaud là. J'avais pas remarqué. Je crois que la tenue résiste au feu. T'en as de la chance. On n'a pas le temps pour ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? T'appeler plus vite. Ça, je vais faire. On doit libérer Tombstone. Il faut fragiliser la cage. Par là, retire les supports. On va. Tu vas me traiter de fou. Mais c'est une des plus belles journées de ma vie. Bah tu devrais sortir plus souvent. C'est... Allez, une. On va demander à Harry qu'il fasse tout le travail pendant que nous, on libère Tombstone. C'est fait ou quoi ce machin? Je sais pas, mais le bâtiment est en train de s'effondrer. Et c'est encore. Et encore une fois. Accroche-toi. C'est bon. Attention, ça va bientôt s'écrouler. Impossible d'ouvrir la cage. Peut-être en passant par le fourneau. Là, il fait trop chaud là-dedans. Quoi, t'as une meilleure idée? C'est dur de choisir, hein. Qu'est-ce que tu fais? Putain, elle est rentrée carrément dedans. Allez, allez. Ah non, il va falloir sortir d'ici avant que ça explose. Sortez de là! Et la force va arriver. Allez, maintenant on sort d'ici. Ce boulot est toujours aussi stressant. Le yoga a fait des merveilles pour mon mental. Vous
voulez mourir ici? On y va! Non, du tout. Non, 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 non! On l'a perdu! Panique pas! Dans là, vite! Harry! Harry! Il faut qu'on se dépêche! Ça explose de partout en plus. Wow. Oh, excellent! Alors on est sorti. Tu vas voir si on a été suivi. Ça marche. Ouais, c'est ça le problème quand on décide de se ranger. J'ai perdu l'habitude de ces conneries, moi. C'était moins une. Les autres ont pas tous eu la même chance. On se débarrasse pas de moi comme ça. Et puis, ils attendaient leur chef pour passer à l'action. Vous avez un endroit où aller? Comment il est plus grand que Spider-Man? Et s'il me retrouve, je serai prêt. Tu pourras remercier ton ami pour moi. J'espère qu'on se reverra. L'araignée. Ils sont partis. On devrait faire pareil. Ouais. Donc, ok. Hey, t'as assuré tout à l'heure. Ah ouais? J'étais sûr que j'avais tout fait de travers. Ouais, c'est le cas. Mais c'est grâce à toi qu'on a réussi. Oh nom de Dieu. Qu'est-ce que... Attends. Elle a failli contrôler. Désolé. Je sais pas encore trop m'en servir. C'est sympa. Comment ça? C'est toi qui a... Oh. Ah, bah oui, tiens. C'est plutôt original. On est des vrais spider-potes comme ça. Je vais retourner au labo. Le docteur Connor s'est peut-être arrivé. Ouais, bonne idée. Je te rejoins plus tard. Incroyable. Et oui, incroyable. Allez, on incarne Miles Morales maintenant. Ah, oh, mon. J'espère que c'est pas encore juste pour un mille pattes. Faut que je fasse le point avec Pete. Salut, Miles. Salut. Alors, quoi de neuf? Tu veux un speeder coup de main? En fait, ça va. On a réussi à sauver Tombstone avant que Kraven ne lui tombe dessus. Hein? Ah bah attends, je te résume vite fait. Tu sais, mon copain Harry, il a un genre de super tenue. Ça rigolait pas en face. Ça nous aide sacrément utile contre les chasseurs, ouais. Attends, ça veut dire qu'il est des nôtres? En quelque sorte. Ça arrive un peu vite, mais on en parlera plus tard. Faut que je file. À plus tard. Il dit ça tout le temps. Ok. Je vais aller voir ce qui se passe avec moi. On va aller par là. Hop. On dira des mystériums de Quentin Beck. C'est un endroit bien pratique pour se changer. Tac, on va changer. Ça va beaucoup aider la communauté. Merci pour votre soutien. D'accord. Au revoir. Oh, Miles. Salut, moi. Viens, assieds-toi. Je voulais prendre des nouvelles. Je m'inquiète pour toi. Todo bien? Ouais. Je te jure. Ok. C'est de la folie en ce moment. Je sais plus où donner de la tête. Entre la ville, mon essai pour la fac, et puis y a Pete, qui est occupé avec d'autres trucs. Ellie, il est toujours dans la nature. Ça t'inquiète pas, toi? Si, bien sûr, ça m'inquiète. Mais je me suis engagée à agir pour cette communauté.
Je dois mettre de côté les choses qui ne servent pas ce but et me concentrer sur mes objectifs plutôt que sur le passé. ¿Entiendes lo que te digo? Oui. Mais Lee, je peux pas le mettre de côté. Il veut se venger. Angela, il va falloir que je vous rappelle plus tard. Enfermé dehors, mais vous avez une clé. Ah. Non, non, je comprends. C'est une urgence. Je vais passer quelques coups de fil. Ok. Non, je peux y aller. Tu ne viens pas de me dire que tu étais débordé? Si, mais... j'ai toujours du temps pour ma communauté. Ok, Mon. Où je dois aller? Au centre culturel de Harlem, sur la 116e et Convent. J'ai eu mon amie Angela au téléphone, la conservatrice. Elle voulait offrir une visite privée à un donateur potentiel, mais le système de sécurité l'a enfermé dehors. Oups, le malaise. Angela a trouvé des objets pour une nouvelle expo musicale, mais les subventions n'ont pas suivi. Et si le donateur ne couvre pas les dépenses, le musée risque de fermer. Je vais m'assurer qu'il rentre. Bon écoutez les amis, on va s'arrêter là pour l'épisode 9 de Marvel Spider-Man 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Laissez votre petit pouce bleu de soutien. Ça fait énormément plaisir et ça m'aide à soutenir la chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour être prévenu mes prochaines vidéos. Juste en bas de la description, il y a mon Twitch, mon Discord, ma deuxième chaîne YouTube, ma chaîne Kick, mon lien pour Instant Gaming pour payer vos jeux moins chers et mon TikTok. Sur ce, je vous dis à la prochaine les amis, portez-vous bien, salut !